Hit the sound of the bells when the log on. And the boys unleash hell when the war's on. Bring them to the wake, break them with a requiem and throw them in the pit and throw a little bit of dirt on them. Dirt on them, throw a little dirt on them. Trigger fingers in the air, put a little work on them. Work on them, put a little work on them. Trigger finger in the air, put a little dirt on them. Yo les gens, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo rapide pour répondre à pas mal de questions qui reviennent assez souvent. Donc on va commencer par la présentation de mon perso. Donc mon perso, c'est un marqueur au poste créateur de taille 7-2, 262 lbs et envergure max. Les attributs, hein, ça va aller peut-être un petit peu vite, au pire vous remettez un petit peu en arrière sur la vidéo, vous pouvez les voir à l'écran. Donc là, c'était lors de mon passage de 98, parce que Touquet, ça fait 2 ans de suite que, en gros, quand vous atteignez 99, une fois que c'est fait, malheureusement, vous ne pouvez plus voir vos attributs en termes de chiffres. Vous voyez que les barres, mais vous pouvez plus appuyer sur X pour voir à combien vous êtes. Les insignes, donc ça c'est le but hein, quand vous êtes 99, donc tout up en plus 1. Et il y a quelques insignes, notamment pour les pivots qui sont vraiment primordiales. Par exemple, donc comme vous pouvez voir, il y a le fameux mur de briques costaud qui sont vraiment juste indispensables pour quand vous êtes en dessous du cercle. On a du finisseur implacable, du tir difficile pour les fadeaway, tir difficile, ça c'est énormissime, sniper à mi-distance également. Lanceur de compte pour les passes lointaines, altruiste qui fait du bien, roi de la claquette, acrobate, gardien du panier, défenseur intraitable. Donc on est plutôt pas mal. Le reste c'est de l'insigne mental, donc on s'en fout un petit peu. Les animations, alors là c'est vraiment pas prise de tête, donc moi j'ai laissé les shoots de base, donc tir 44 et lancer franc 54. De toute façon, quand vous prenez un shoot intelligent qui est ouvert, vous n'avez pas forcément besoin d'un shoot rapide, ça c'est vraiment pour les shooters. Le fadeaway, donc fadeaway 11, donc c'est un fade que j'utilise assez rarement pour la simple et bonne raison que vous n'êtes pas au plein potentiel de vos insignes. Le plein potentiel, vous le tirez quand vous faites le hop step et fade. Donc là, vous faites briller sniper mi-distance et tir difficile. Donc le but, c'est vraiment d'en prendre un qui va loin de votre adversaire une fois que vous l'avez poussé. Ensuite, pour tout ce qui est pack de dunk, alors pack de dunk, tout ce qui est dunk de parc, malheureusement, ma note n'est pas assez élevée pour avoir les dunks de parc. Par contre, en termes de dunk, donc vraiment ceux à avoir en priorité quand vous êtes pivot, ça va être les dunks sous le cercle. C'est ce qui va vous permettre de poster sous le cercle. Voilà pour la présentation et les questions qui reviennent le plus souvent. Merci pour le soutien, bonne journée à tous, à plus, ciao ciao. Bruh.